in the land. Did the be in the front. Pretty cards in the scam. Oh, les téléporteurs, on s'en fout. Et ici, arrière. On va aller se battre contre lui. On va mettre Air Bizarre en premier, là. Je sais pas. Voilà, on va mettre Air Bizarre, je pense que ça va être utile. Ok. Je sais pas du tout tout ce qu'on doit se battre là. Et voilà, tranche herbe. Juste alors là, on doit récupérer une CT en tout dans cet étage là, donc on va la chercher. Ok, court critique, parfait, Air Bizarre, comme ça il prend un peu d'XP. Qu'on a Kagurex qui est passé 30. Ah non, c'est Air Bizarre qui est passé 32, pardon. Et ouais, la sphère à petit, c'est pour Minilock ça. Pika! Bam, un coup d'éclair. Bizarre, c'est level 32 qu'il évolue et pas 34. Il évolue au level 32. Florizarre, let's go. Il nous reste plus que le Tortank à avoir au final maintenant. Ah, oh, let's go, on a Florizarre. Florizarre, tu vois, c'était 32. Putain, t'avais raison. Moi qui passais 36 aussi, t'avais raison avec le 34, t'étais plus proche. C'est qui ça? Ok, destruction, c'est bon. Après, cousine, tu peux sortir comme tu veux. Ah, je vais peut-être. Faut que je mette Carabaf là pour qu'il XP un peu quand même. Ah, t'as de mort en plus, je vais rien faire moi, avec mes attaques avec Florizarre. Herbe, mais il va rien faire comme attaque. À mettre Carabaf après pour histoire qu'il up à Tortank. Et comme ça, on peut faire une belle miniature pour YouTube. Alors, moi, avec Trash Herbe, là, je le finis, même si je le mets pas un coup critique. Et surtout qu'en prenant une évolution, en fait, mes Pokémon ils sont bien plus puissants. Et surtout, ils tankent plus, etc. quoi. Ouais, on va garder Kagurex un peu, mais là on va mettre Carabaf. Carabaf, je sais pas si c'est 36 ou 38 par contre. Parce que si c'est 32 ou 36, ça peut être 38 quoi. Peut-être un laser glace, mais je sais pas si ça va être très utile. Ouais. On va mettre que des coups de frappe atlas, je pense que ce sera le mieux. Je dois envoyer un petit coup de bulldo histoire. Non, on va laisser ça. On va tenter un surf, peut-être que ça fera un peu plus de dégâts, vu que c'est plus puissant en soi. C'est incroyable surf, la puissance que ça envoie. Je vais reprendre un surf, mon ami. J'aimerais le faire évoluer. Ce serait ouf que là, les trois starters ils évoluent là. Ce serait ouf. C'est cool quoi. Pourquoi l'autre je l'ai one shot? Ah, mais c'est un Smogogo. L'autre c'était un Smogo. C'est ça. L'autre c'était un Smogo. Ouais, c'est pour ça. Frappe Atlas c'est pour terminer. C'est pour ça, là c'est un Smogo. Le Smogogo est bien plus tanké. Ok, Carabaf. Toujours pas. Après le multi XP, j'avoue qu'il est vraiment, c'est chiant, mais c'est tellement utile. Ok, bon ben on a fait cet étage là, on va passer au prochain.
Allez, c'est parti. Deuxième étage, je crois. C'est ça, on est au deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver là? Hop, on va trouver une hyper potion quelque part. Ok, elle est ici. Alors, je vais arrêter de faire ça. Voilà, parce que je suis un Nigo. Je suis un gros Nigo en faisant ça. Eh bien là, toi. Là, en fait, je suis en train de récupérer pas mal de fric et d'XP quand même au final. En fait, c'est super long à faire. Et encore que j'accélère à des moments. Ah merde, j'ai mis Florizard en premier. Ah, faut que je change ça. Au moins, ça lui fait un peu d'XP quand même à Florizard qui est que 32, miskin. Ouh, le coup critique. Mais Trancharpe, ça fait trop mal. Hein. Même quand des Pokémon de code qui il a pas de. Il est pas plus fort de base. Enfin, il a pas de. Comment ça s'appelle? Ah, d'avantage. Il arrive à one shot. Un petit coup de surf. J'espère qu'il n'y a pas à me faire un choc mental ou un psycho parce que Karabaf il aime pas trop ça. Ok, Hypnose, c'est pas grave, il s'endort jamais. Je veux dire, j'ai pas de mes là, il va me l'endormir après. Ça, par contre, ça risque de piquer. Foiré, va. Faut que je me sonne très vite. Après, j'ai un rappel max au pire des cas, donc c'est pas très grave. Oh, 36, yes! Ouais, doucement, peut-être qu'il va évoluer alors? Ah, Ratata qu'on va enlever par contre, on va mettre Kangourex. Ah, j'aurais dû mettre l'autre, putain. J'aurais dû mettre Nidoking, je suis trop con. Ah, je suis débile. Ah, type normal ça, hein. Bon, on va mettre un coup de seize. Ça aurait été mieux là, un petit double pied là, je le vois de sauter, puis voilà. Faut qu'on mette vu que ça fait une double attaque, c'est bon. Et voilà, critique en plus je termine. Parfait ça. Ok, alors est-ce qu'il va évoluer au niveau 36? Tortank, on a eu les 3 starters qui ont évolué, yes! Tortank, 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 yes! C'est bon ça. Objet par contre, on va mettre un peu de potion. Petit coup quand même. Putain, il est passé à 114 HP quand même. Il en avait 90, il a pris un bon coup de boost. Hein. Ça, il n'y en a que faire d'autre. Ben, je sais pas, mon pote, que faire d'autre. Tu peux pas me soigner mes Pokémon? Non. Oh, maintenant, espèce de chien, va. Ok, là, il n'y a que des téléporteurs. Apparemment. Avec ma casquette là. Enfin, dans le jeu, je parle. Bingo! Ah, bingo! Bingo, 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 bingo. Oh, bingo, 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 bingo. Hyper potion, parfait. Par contre, hyper potion, il y a que 3 de vie. Faut le mettre ouais, Kangourex, hein. C'est le mieux pour fracasser. Là, c'est le mieux. Kangourex, c'est le mieux avec son séisme, mais il fait beaucoup trop de dégâts pour le négliger. Ça permet d'être un peu de rattraper un peu tout le monde. Là, il y aura Kerbizarre, enfin Florizarre maintenant qui sera en dessous. Faudra que j'augmente, mais bon, il aura le temps d'évoluer, Florizarre. Parce que pendant l'arène, il va bien servir, Florizarre.
Bon, les lives et les vidéos, elles vont être beaucoup plus longues sur Pokémon parce que dès que je fais un truc maintenant, je peux plus aller très vite quoi. Ça prend beaucoup plus de temps quoi. Rien que de faire tout l'étage là, ça me prend de là, on est déjà 1h10 quoi. Et c'est pas fini quoi. Elle termine le. Ok, elle termine pas ce chien. Pardon. Oula, j'ai éclaté les oreilles de tout le monde là. Ok. Objet. Une hyper potion. Ok, je pensais que je pouvais utiliser le multi-XP que sur un Pokémon aussi. Étage supérieur. Donc on a notre hyper potion. Total soin, une corde de sortie et un rappel max. Ok, bon, on va aller se chercher tout ça. Contact intrus détecté. Tu auras l'intrus qui va te mettre. En avant, Kangourex. Putain, il est déjà 33 quand même. Il a pris 5 levels quand même, Kangourex. Il était 28 au début de la vidéo. Bon, tu me diras, depuis tout à l'heure, il n'envoie que des séismes, donc forcément. Ouais, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis, ouais, il explique jamais, nanana. Il a quand même pris un bon level, quoi. Enfin, 5 bons levels, quoi. Et ouais, face à Nesferapti. Mini-logs. Let's go. Coup d'éclair. Voilà, KO, one shot. Voilà. Oh, Ocelot. Et ouais, là, on va mettre Florizarre pour qu'il prenne un peu. Un petit coup de transherbe. Bam! Comme ça, ça one shot peut-être. Oui, ça one shot. C'est très efficace, bien évidemment. Ok, on a vécu le 1 Rocket de plus. Ok, il n'y a rien ici, non. Donc, si il n'y avait rien. Ok, bonjour. Ok, c'est ouvert. Ok, mon inventaire est plein. Total soin quand sortir rappel max. Ouais. Protéines. Ok, on a augmenté la force, parfait. Carbone, mini logs. On va le mettre aussi sur. Florizarre, il n'a pas l'avantage en vitesse. Hop, voilà. Ensuite. Calcium. Dracofeu. Ok. Total soin, c'est parfait. Rappel max, c'est parfait. Corps de sortie, c'est parfait. Oui, oui, bah, toi aussi, de toute façon, faut qu'on le fasse, hein, donc faut qu'on le fracasse lui aussi, s'il se croit supérieur. Ok, ensuite, on ira au 5e étage, parce qu'on a déjà fait le 4e. On va quand même faire le 4e, on sait jamais, on va checker quand même. Ok, Machop, one shot, normalement. Et non, pas du tout, il n'y a pas de normal qui tienne au final. On va mettre. Morsure. Parfait. Soporifique. Ouais, on va changer un peu quand même. Ouais, il nous faut Florizarre. Florizarre, faut qu'il up un peu là, c'est pas possible. Avec Trancherbe, il peut faire beaucoup de dégâts, donc on va envoyer cette attaque. Hein. Hein.
Ok, un bon coup critique. Il envoie beaucoup de coups critiques quand même, Florizarre. Je sais pas si c'est un attaque qui fait ça ou si c'est lui, mais... Ouais, c'est très efficace son psycho, mais tu vas voir là. Sur son choc mental. Boum, tranchère. Et ouais, coup critique encore. Juste faire ça. Parce que le Kangorak se régale en XP, mais du coup, mon Florizarre, non. Ok, on a ouvert la porte. Allez hop, on va se battre contre lui. On dirait qu'il a son chibre qui dépasse, ce chien. Bon, électrode, pas ouf contre moi. Enfin, genre. Ça me la fout d'avoir ce Pokémon à me battre. Quoi. Ouais, j'aurais dû augmenter de la vitesse de Florizarre aussi. Est-ce que ça envoie pas mal? Ouais. On peut se régler comme ça s'il fait ses. S'il me fait des petits trucs, j'ai de lumière et tout là, vas-y, vas-y, mon pote. Hop, on récupère un peu d'HP encore. Bon, par contre, on va arrêter parce que là, ça fait 0 dégâts. 60 HP, c'est ce qu'on avait 60 avant le début du combat, c'est très bien. Ah, il y a un coup critique encore. Mais coup critique, c'est un full life, il fait que ça. C'est vrai que les coups critiques, il les enchaîne Florizarre, je sais pas comment ça se fait. Passer à l'étage supérieur. Ah mais on a peut-être tout fait ici. Oh, ça m'étonnerait quand même. Non? Eh oui, on n'a pas tout fait. Eh ouais, ça a ouvert la porte, mon ami. Un peu de protéines, on va augmenter de la force alors. On a vu ça augmenter la force. On va mettre quand même sur Minilox qui a pas beaucoup de force. Après, je sais pas si c'est spécificité, genre peut-être du... Ouais, je sais pas. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? CT 09. Qu'est-ce qu'elle va nous donner, cette CT? Ouh, bélier, 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 bélier. On va le mettre, ça, bélier. Attends, CT 09... Parce que je sais pas si Bélier c'est combat ou c'était 09 nana. C'est type normal. Type normal c'est on verra plus tard pour le Bélier. Parce que type normal je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous mais enfin si je m'en fous quoi. Type normal, c'est pas ce qui m'intéresse le plus au final. Ça avait été type combat, ça aurait été un peu plus intéressant. Mais normal. Alors ici, on n'a rien fait encore, je crois. Là. What the fuck? Ok. Cinquième étage. Ok, mon inventaire est plein. Total soin. Ok, donc on peut rien faire. Total soin. Oh, destruction, j'aime pas ça. Hop, on jette. Voilà. PV plus. Hop, ça par contre, on va utiliser sur Pika qui a 0 PV. Attends. 90, c'est toujours ça de prix, hein. La pression plus à utiliser en combat, on l'utilisera en combat au pire des cas, hein. Si besoin. Eh, viens là, toi. Ça peut servir plus en plus à la fin.
Si on m'envoie du jet de sable ou quoi à la fin, ça peut être bien. Sur la petite, tu vas prendre un coup de tranche herbe. Désolé mon ami, mais parce que méga sanctus ça te servira à rien sur toi. Mais tranche herbe peut-être. Non. Rendre cruel, ça va me faire très mal. Oh non. Bon, pas le choix. Putain, il va me rendre fou mon Pokémon. Ouf, c'est bon, je peux utiliser éclat parce que là, ouf. Ouais, 12 XP, d'accord, à faire foutre, non? Ok. Pas que je m'inflige pas de dégâts, ça va, parce que après ça pique un peu quand je suis fou là. Ça envoie des dégâts là, c'est chiant. Bon, tu vas prendre un coup de tonnerre, toi. Et en plus, je me sens mieux, allez hop! Voilà, et hop. Ah, ça fout du AE multi-XP, oui. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ok, la Team Rocket veut dominer le monde. Investit tout l'immeuble. Pitié, pitié, aidez-moi. Donne-moi ça, quel froussard. Les produits Pokémon Steve devraient les intéresser. Bon, toi, ça veut dire que tu veux te battre aussi? Ok, on a un frère en plus à battre, encore? Il va souffrir, le poteau. Un petit coup de Mega Sanctus. Hop! Est-ce que ça a bien me régé ou pas? Mais c'est plutôt intéressant, ça. Mais c'est même très intéressant. S'il peut me remettre bien. Merci de m'avoir mis presque full. Je te termine tranquillement. Je te coupe. Voilà, comme ça, il m'a bien remis. 33 pour Florizarre, parfait. Hop, Machopper, un coup de méga 5 su. Parfait. Balaye-moi, je te remets un coup de méga 5 su. Oh, c'est pas très efficace. Hop là. Merci bien. Ok. Ah, il m'a mis un coup critique, le salaud. J'étais tellement bien. Ah, le salaud. Ah, j'étais presque revenu full. Et voilà, Rocket, ça a été vaincu. Et du coup, il me reste un scientifique à battre ici. Où c'est qu'il est le rat? Le rat de laboratoire, il est là. Le Trifouillis. Putain, c'est le surnom que donne Luffy dans One Piece, dans le film Stampede. Salut Hunter, ça va ou quoi à la fin? Allez, Voltorb, tu vas voir. Ah, mais Florizarre, faut... Ah, fais chier, Florizarre, il sert à rien. Normalement, avec Tranchard, on peut peut-être le one-shot. Peut-être qu'on va y mettre un petit coup. Ouais, yes. C'est pas le mieux, mais au moins, ça passait. Alors, par contre, petit XP, on va le passer. Voilà. Smogo, allez hop. On sait qui c'est qu'on doit mettre. Et voilà. Pourquoi tu plais si j'ai beaucoup de séisme? Tu vas bien ou quoi, Hunter? Et voilà. Un petit coup de séisme. Voilà, comme ça, ça va le one-shot, en fait, celui-là. Yeah, génial. Allez, on repasse le multi-XP. Ça, c'est trop cher, le multi-XP, pour ça. Ouais, Magneton, on va laisser Kangourex. Par contre, après, j'aurai plus de séisme. Et j'ai pas pris d'huile. Là, je crois qu'on est au cinquième étage. Cinquième ou sixième, d'ailleurs. On est au cinquième. Je pense que je vais aller, après, me soigner le Kangourex. Je peux remettre full. Et on revient finir ici. Ouais, on va changer de Pokémon du coup. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Ouais, on va remettre Florizarre pour qu'il one-shot s'il peut. Si
Mais watch out, Florizarre. Oh! T'as pas le droit d'échouer, Florizarre, sérieusement. Heureusement que c'est pas très efficace, mais comment il peut m'échouer ça? Sérieux. Oh, j'ai pas mis à jour mes abonnés YouTube, tiens. Normalement, je suis à 364 maintenant. Là, il a marqué 358, mais j'ai oublié de le mettre à jour. Faut que je le mette à jour. On va le faire maintenant, hein. Ouais, Smogo, on va laisser parce que Florizarre, il subit pas trop les... tout ce qui est poison. Donc, il subit pas. Et ça éviterait que ça empoisonne quelqu'un, quoi. Ah, parfait. Normalement, on devrait le finir. Et voilà. Coup critique. Même si c'est pas très efficace, ça marche. Allez hop. On a pris un level. C'est qui a pris un level? Eh, parfait, Pika. Alors. Ici, on est, du coup, je crois, au 5e étage. J'ai envie de le voir. On va pouvoir s'y téléporter. Vas-y, on peut. Ok. Bon, on repart au rez-de-chaussée. On va juste aller se soigner le Kangourex. Parce qu'il a plus de séisme. Et je pense que je vais aller m'acheter Nul Max. Parce qu'il n'y en a pas là. Hop. Hop. Voilà, ça c'est fait. On va aller stocker 2-3 objets. Précision plus, on va le stocker. C'était 09, on va la stocker. Bélier, pour l'instant, j'ai pas besoin. Corde de sortie, on va la stocker. Parce que j'ai pas besoin. Carte mythique, ça me sert. C'était 29, c'était 29. On va la stocker. Parce que c'est psycho. Voilà. On va aller se chercher des petites huiles. Des huiles, pardon, parce que des tuiles, bon, on n'a pas besoin là. À part si je dois construire, je dois reconstruire une maison. Alors, c'est où le shop? Le shop, le shop, il est plus haut, je crois. Il est encore plus haut. Il est par là, ouais, il est là. Génial. Putain, on a pris 27k là. Est-ce que j'ai 17k, on a pris. Putain, pas mal ça. Non. Oh, ta mère, il n'y a pas d'huile. Putain, il n'y a pas d'huile. Putain, comment ils peuvent ne pas vendre d'huile ici? Allez, c'est parti, on va aller au 6e étage. Je voulais pas appuyer sur ce bouton. Non, voilà. Allez, c'est parti. On est au 6e étage. De quoi on doit trouver une cité dense là, mais un calcium. Du coup, on l'a fait tout à l'heure. Du coup, on a juste à ouvrir les portes normalement. Ok, parfait. Si Florizarre passe à prendre dans Slam, ça peut être très intéressant. Bah si, je suis venu te sauver, ma grande, t'inquiète. T'as vu, tous les Pikachu sont grave musclés. Ok, ok. Y'a rien là. Et ouais, y'a la Master Ball, c'est là, c'est vrai, y'a la Master Ball. Aïe, 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 pour rattraper Mewtwo, ça va être parfait, ça. À l'époque, je me rappelle, j'avais eu la Master Ball, et je l'avais utilisée pour acheter, pour prendre Elector comme un idiot. Et voilà, c'est tout. Du coup, j'avais pas, j'ai plus de Master Ball pour Mewtwo. Attends, où c'est que... Non, c'est là, là. Faut que j'arrête d'aller trop vite, des fois. Bon, je dis ça, je l'utilise souvent quand même. Le calcium, je l'ai déjà eu, je suis con. Elle vient de battre, toi. Un jeune intrus, nana. Ok, 7e étage, faut juste se battre. Et au 8e, on peut soigner les Pokémon normalement. Oh, Sablette, c'est parfait. Je crois que c'est parfait. Yo, Zayden, ça va ou quoi? La forme? J'espère que tu vas bien. Et voilà, très efficace, parfait. Bon, les multi-XP, on va le passer.
Et ouais, Sablero, on va le one shot aussi, si possible. Bon, après, on va lui mettre dans Slam à Florizarre. J'espère qu'il ait une technique en plus. Mais à la place de quoi? Parce que Fuelian. C'est pas foufou quoi. Parce que Fuelian, c'est pas ultra puissant quoi. Dans Slam pour moi ça peut être pas mal. Attends, c'est la CT03. Est-ce que. Pokémon Jump. J'aimerais voir ce que c'est comme. Ouais, non, c'est type normal. Non, ça me sert à rien. Type normal, ça me sert à rien. C'est ça que je voulais vérifier. Des fois, je vérifie si les attaques sont bien en... avec le type que je veux, quoi. Ok, donc là, normalement, on a battu la plupart. Faut juste qu'on a dit utiliser la carte magnétique. Là, entre deux lits, donc là, on est 7ème. Donc c'est pas entre ces deux lits que quelqu'un peut nous soigner. Hop, j'enlève la souris. Lui, on l'a battu aussi. Ok, bingo. Hop, là, normalement, on fait que se battre. J'ai pas vu d'objet de noter. Ok, est-ce que lui va nous apprendre quelque chose? Mais non, on va pas faire faillite, mon pote. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je vais redresser tout ça à l'économie. Ok, y a rien là. Ok, bon, y a rien du tout ici d'intéressant. Allez, c'est parti. Donc ici, normalement, on a tout fait aussi. Si je dis pas de bêtises, peut-être que lui, on l'a pas fait. Ouais, lui, on l'a pas fait, c'est sûr. Il y en a quelques-uns qu'on n'a pas fait au 8ème étage. Ah oui, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, on est parti du 10ème étage, on est descendu. Voilà. Je suis direct allé au 10ème étage, ça m'a fait bizarre, mais bon. Ok, Florizarre. Trancherbe, je peux one shot. Si je loupe pas l'attaque. C'est vraiment très puissant quand même, Trancherbe. Parce que je le one shot alors que j'ai pas forcément un attribut avantageux en fait dessus. Ouais, ça fait que des coups critiques, ça je comprends pas. Bon, tant mieux. Allez, multi XP, oui, allez, c'est joli, voilà. Et ouais, Smogo par contre a changé. Si on peut faire soigner les Pokémon comme c'est dit par un mec là, ça peut être intéressant par contre. Comme ça, même s'ils sont déjà soignés, comme ça je peux utiliser quelques attaques. Et je pourrais, ça m'évitera de faire l'aller-retour jusqu'au Pokéshop quoi. Enfin, au Pokéstop. Allez, on passe le multi XP, c'est très joli. Voilà, tout le monde a de l'XP, tout le monde est content. C'est la maison du content. Allez, Florizarre, let's go. Parce qu'il faut qu'il prenne un peu de level quand même. Level 33, c'est pas ouf, tous les autres sont level 38, 39, donc. Ou 35. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit. On a quelques levels d'avance quand même sur les Pokémon qu'on affronte. C'est-à-dire qu'on est vraiment pas mal là au niveau de l'XP des Pokémon. Ok, coup critique. 34, parfait. Voilà, scientifique, c'est fait. Ok, on est level 34 avec Florizarre et ça c'est plutôt sympathique. Alors je sais pas si c'est utile que j'ouvre ici, mais bon, on va ouvrir. Voilà, c'était inutile. On perd du temps un peu, histoire de rigoler. C'est vrai qu'on n'est pas du tout à 1h30 de vidéo, alors que je voulais pas faire autant. C'est juste que c'est super long de faire ça. Bordel de chiottes. Putain, mais c'est incroyable tout le temps quand même. Ah, ben elle est là, la copine, pour nous soigner. Merci. Gambare. Ça veut dire courage en japonais. Ok, ok. Ça m'aurait évité d'aller tout à l'heure quand même au poké. Ce n'est pas grave. Ok, lui veut se battre. Et du coup, après, on va aller au 9ème étage où on a déjà tout récupéré. Faudra juste se battre, je pense. Et. Descendre au niveau 2, peut-être avoir que ce soit un peu bas. Hein. Ok.
Après, donc dès qu'on aura fini tout ça, il faudra retourner en bas, au deuxième étage, pour remonter. Oh là 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 là. C'est compliqué tout ça. Et ouais, aucun effet, mon ami. Et mon ami. Allez hop, terminado. Et ouais, tellement, on va mettre Kangourex. Parce qu'après, on va se battre contre notre rival, donc bon. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a en premier. Coup de séisme. Donc, on va aller faire soigner tout le monde, là, histoire de tout récupérer. Et on va aller battre le rival en 2-2. Ok. Hop, allez, hop, ça c'est fait. Et ouais, ma choc, on va mettre le petit Florizarre qui prenne encore un peu plus XP. Kangourex, quand même, il a 119. Et dès qu'il est level 34, il tanque bien quand même aussi. Sans parler du fait qu'il est en train de rattraper Nidoking. Là, je commence à avoir une très très belle team. Nidoking qui tanque tout ce qui est poison et qui peut one-shot tous les types normaux. Enfin, types normaux. Enfin, un personnage de type normal plutôt. On a tout ce qui est type électrique. Et électrique. On a type combat. Je sais plus quel type après qu'on one shot avec séisme. Avec Kangourex. On a tout ce qui est type sol qui se fait one shot par Florizarre. Et on a encore Tortank. Tortank qui peut one shot avec tout ce qui est vol avec Pikachu. Pikachu qui one shot tout ce qui est vol haut. On a, franchement, on a une team là et elle fait très très mal. Le seul truc qu'on n'a pas, c'est contre les spectres, on n'a pas de psycho. Donc pas de psycho, ça risque d'être dérangeant contre l'ectoplasma ou quoi, on risque d'en chier grave, mais bon. On les battra quand même, ce sera assez simple, mais c'est vrai qu'on risque d'en chier un peu. Donc tout ça, je l'ai pas fait là. Alors ouais, on va voir, est-ce que je peux te parler, toi? Ouais, maman! Ouais, on va te refoutre, putain! Toi, je t'ai battu. Et après, au 10e étage, du coup, on l'a fait, il n'y a rien à faire. Du coup, on va. Alors, non, je voulais aller. Non, au 2e. Alors, pour atteindre le bureau du PDG, il faut en avoir plusieurs. Descendez au niveau 2. Et après, peut-être qu'il se trouve un peu en bas à gauche. Alors lui il est en haut à gauche. Ok, c'est lui. Avec ça, ok, c'est lui. Ok. Allez, c'est parti. Contre le rival. Coup de coude à lui. Quel dommage, je t'ai vu à Safrania et tu es toujours aussi nul. Est-ce que moi je suis nul? Mais toi mon gars, je vais t'attraper là et crac! Pardon pour le son. Allez, toujours accompagné de Matchshot en fait. Je vais juste faire... Pour avoir un peu plus de visu comme ça, ça fera toujours plus sympa. Voilà. La caméra, c'est vrai qu'elle est pas bien placée. Ok, là elle est encore moins bien placée. Ouais, bon vous avez fait, de toute façon, on est là. Pour les Pokémon, pas pour voir ma tronche. Et voilà, coup critique, c'est très efficace. Patati patata. Hop. On passe avec le multi-XP. Fenard. Mais oui, ton Fenard, mais bien sûr. Regarde, tu vas prendre un petit coup d'eau. Allez, Tortank. Je vais envoyer Surf, comme ça, moi, je suis tranquille, je sais que je vais le one-shot. Même si je craignais pas grand-chose avec ses attaques. Sait-on jamais qu'il mette pas un coup de tranche? Ouais, j'ai bien fait de faire Surf. Et voilà, une petite vive attaque, il me fait perdre 14. Ouais, c'est ça, 16. Voilà, petit coup de pull d'eau pour te terminer. Ah, le multi-XP, là, il est utile avec les 100 qu'on prend. Oh, les Crustabri. Oh, allez, tiens, regarde. Hey. Je te mets Minilux et il me régale. J'ai des avantages sur tous ces Pokémon.
Ouh, en plus level 39 Pika. Tonneur. Quand je vais avoir Fatal Foudre avec Pika, ça fait encore plus mal. Parce que là, en fait, le problème, c'est que j'ai que Tonnerre, j'ai pas, mais Fatal Foudre, ça va one shot chaque fois. Ouh, les dégâts qui m'envoie le chien. Ouh, ça c'est pas Jojo. Alors, hop. Vraiment pas joli ce qu'il m'envoie comme dégâts. Ah, il me fait quand même très mal avec son attaque. Hein. Pourtant, j'ai un avantage. Hein. Allez, je te mets un petit coup d'éclair pour terminer. Voilà, parfait. Perfecto de perfecto. Allez, voilà. Qui c'est qui va appeler? Kadabra. Allez, parfait. Kangourex. Voilà. Séisme. Il aime pas trop ça, Kadabra. En fait, il a une très petite défense. Quoi. Et du coup, avec séisme, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et voilà. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est fait. Nidoking, level 38. Encore plus ça, le Nidoking maintenant. Et pour Voltali. Bon, on va laisser Kangourex. Hein. J'aurais pu mettre Nidoking, mais on va laisser Kangourex. On va mettre juste un petit coup. Ah, par contre, le double pied risque de faire bobo. Ouais. Ah, ah ouais, il va m'envoyer 74 dans la gueule. Ah ouais, quand même. J'espère que je vais le one-shot. Parce qu'il m'a refait un double pied, les morts, mon Kangourex. Alors, on va tester point comète. Ouais, ouais, je suis mort. Et ouais, merde. Ça rate. Dommage Kangourex. Oh là là, j'ai bégayé. Dommage pour toi. Oh, je suis con, Draco Feu type vol, il va se faire foudroyer. Oh, je suis trop con. Type vol, je suis trop con. Je viens à peine de le faire up et du coup j'ai oublié qu'il était vol maintenant. Oh, je suis un abruti. Et Draco Feu 37. Alors, Draco Feu, il a fait très peu de combats. Avec le multi XP, tous mes Pokémon ils se régalent là. Là je me demande s'il n'y en a pas d'autres qui va up. Non, c'est bon. Oh, l'a battu. Oh, on l'a battu. Pff, 2600, double SMIC, allez, tiens. Je vais avec Pokémon pour détrôner le conseil des 4. Je vais bien sûr être le dresseur le plus puissant du monde. Bonne chance, Logs, tu en auras besoin minable. Eh ouais, on va se retrouver à la Ligue Pokémon, mon ami, je vais te foudroyer. Pendant que je peux comment. Vamos, un holoclass! Et c'est l'unique façon de l'avoir. Il est très intelligent, nous le gardions dans le labo, mais il sera mieux avec toi. Et ouais, je serai un bon dresseur pour holoclass. Et ton bon nageur, il pourra même te porter. Ça c'est intéressant. Par contre, je vais juste aller faire soigner mes Pokémon du coup. Ce sera très intéressant aussi ça. Bon, on a eu l'Oclas, ça c'est intéressant. Ok. La vidéo elle est plus longue que d'habitude, je suis désolé. Bon, pour le live, t'as mieux parce qu'il y a plus de monde qui peut passer. Et du coup, pour la vidéo, désolé. Pour YouTube. Après, si vous voulez pas que ça dure aussi longtemps, faut venir me voir sur Twitch. Hop, on va faire soigner les Pokémon. Merci pour le soin. Ok, non, pas du tout. Faut que j'aille du coup. Que je retourne là. On va faire ça. Ça, Kangourex. Ok, du coup, on va au deuxième, on va refaire là ce qu'on faisait. Alors, là, là, ici. Ok, tac, maintenant, on a récupéré leur classe, là. La Team Rocket, là, regardez ça, là, vous voyez ça? C'est pour les battre. Ça n'a rien à voir, c'est ridicule.
Je dois pas le déranger, tu vois, si je peux pas le déranger ton boss. Je vais le foudroyer. Smogogo. Allez, c'est parti. Séisme, ça peut faire pas mal de dégâts, mais on va pas le one shot. On espère juste être, ne pas être empoisonné. Ok, lance une charge, c'est parfait. Envoyer un petit coup de morsure. Manière. Ok, Smogogo, ça dégage. Allez, bon, là, on passe avec une petite XP, comme d'hab. Vous êtes habitué maintenant? Non, on va pas changer, on va remettre un petit coup de séisme. Histoire qu'ils comprennent un peu que la terre tremble. Boum, séisme. Voilà, c'est très efficace, on le sait. Miaous, allez hop. Nidoking qui fait son retour, 125 HP. Il a combien de levels de plus? Il a 6 HP de plus alors qu'il a 4 levels de plus que Kangourex. Kangourex, c'est vraiment une machine. Bah du coup, double pied pour te terminer parce que type combat, vous aimez pas ça quand vous êtes normal. Bye bye. Et voilà, Team Rocket, c'est terminé. Voilà. Ça craint, bien sûr, ça craint. Allez, dégage une voiture, en gros. Oh, ça va aller vers d'autres cieux. Pardon. Hop. Mango. Ah, alors, une fois encore, nos routes se croisent. Le PDG et moi-même discutons d'une affaire très importante. Je vais pas te mêler tout ça comme mon bonhomme dégage ou déguste. Mais cousin, la fois je t'ai attrapé, je t'ai boxé, mon pote, je t'ai boxé. Vas-y, reviens faire le fou. Un petit coup de séisme et ça dégage. Tony Dorido à la poubelle. Voilà, très efficace. Persien, allez, type normal. Nidoking, à mettre un double pied. Là, franchement, j'ai des avantages sur tout le monde. Là, j'ai une team de malades. Ma team, elle est oufissime. Dès qu'il y a type normal, il prend un double pied. Dès qu'il y a... oh, c'est incroyable. Vraiment, là, la team, elle régale sa mère. Comme j'ai dit tout à l'heure, il manque que le psycho, quoi. J'ai pas de psy. C'est vrai que là, s'il y a quelqu'un avec des spectres, je vais subir. Hein. Je suis même pas sûr de gagner si je joue contre des spectres. Parce que Nidoking il sert à rien et Kangourex je suis même pas sûr si qui sert. Tortank ou Florizarre. On va mettre Tortank. Alors après Buldo, je sais pas s'il y a une meilleure attaque. Je crois que Buldo c'est la plus forte à nous. Je suis pas sûr hein. Ce pistolet à eau, j'aime pas du tout, ça sert à rien. Et Nidoqueen, du coup, c'est sol et poison. Mais on va utiliser Florizarre. Parce que c'est type sol aussi, Nido, donc. Vraiment, c'est une sacrée différence d'écart, quoi, de level. Après, c'est type poison, donc est-ce que Trancherbe. Ah, c'est ce que je me disais, putain. Plaquage. Oh non, pas coupe. Oh là là, les dégâts minuscules que je vais faire. Et griffe, ça aime pas Florizarre. Oh, quoique, ça va. Bon, je vais mettre deux coups de trancherbe et terminer, on n'en parlera plus. Bah, bah, et voilà, je te tranché en deux. Terminé. Niveau 35, parfait Florizarre. 35 aussi pour Kangourex. Tortank 37. Pff, 3 levels là. Oh, on a pris 4000 balles, mais je travaille chez Airbus ou quoi? Notre invention de la sylphe est fichue, mais la Team Rocket est invincible. Tous les Pokémon sont pour la Team Rocket. Toi, je vais t'attraper un jour.
Merci de nous avoir tous sauvés avec grand plaisir. Ton courage est exemplaire. Ok, je suis obligé de faire le tour là-bas, connasse. Merci d'avoir sauvé la cible. Je n'oublierai jamais ton haut fait. Tu mérites une récompense. L'argent n'est pas un problème pour moi. Tiens, je crois que ceci te fera plaisir. Master Ball, on va avoir Mewtwo. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez ressortir? Ok. Du coup, ben, on n'a plus qu'à partir. Voilà, hop. Allez, on va faire sauver les Pokémon, ça y est. On a vaincu toute la Team Rocket, le PDG nous a bien récompensé. Après, le fric, c'est pas un problème, il a pas donné un euro quand même, Laura. Il n'a donné qu'une Master Ball. Après, Master Ball, c'est quand même la meilleure du jeu. Mais, on peut donner un petit salaire avec. On passe à gratos, nous. Bon, alors, si on récapitule, du coup, on a vaincu que la Team Rocket. Voilà. Non, du coup, on a pu récupérer Loclas. On a fait évoluer Reptessel à Dracaufeu. Carabaf en Tortank. On a fait évoluer Herbizarre en Florizarre. On a pris beaucoup de level. Tous nos Pokémon quand même ont bien XP. Pourquoi Florizarre il est pas soigné? Ok, voilà. Nidoking il a pas trop bougé. Tous les autres ont pris pas mal de level. On a Kangourex qui a pris quand même 7 levels. C'est plutôt pas mal. On a récupéré la Master Ball. On a récupéré quand même pas mal de petits items sympas et des techniques. Du coup on va s'arrêter là pour ce live et pour cette vidéo. Presque 2 heures de live et de vidéo, c'est vraiment pas mal. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce live. Merci à toutes les personnes qui verront cette vidéo jusqu'au bout. Nous sommes 364 à l'heure actuelle où je vous parle, et pas 358 comme c'est écrit juste là, enfin plutôt là, hop hop hop, ouais c'est là, non, voilà, là. Du coup on est 364, merci beaucoup pour le soutien, il y a pas mal de gens qui s'abonnent, qui soutiennent, on est de plus en plus, n'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux aussi, de me follow sur YouTube si c'est pas fait, de me follow sur Twitch si ce n'est pas fait aussi, sur TikTok, Instagram, bref, tous les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve du coup demain pour un nouveau live sur Pokémon Zone. Et à la semaine prochaine pour toutes les personnes sur YouTube. Ciao tout le monde, c'était Lox Gaming.